c'est justice. Tire donc, venge-toi. Ah oui, tu préfères le couteau. Tu as raison, ça te ressemble plus. Pistolet à un coup, n'est-ce pas? Oui, et alors? Alors, je me demande pour qui tu as choisi de garder cette balle. À bout portant, ça étouffe le bruit. Sergent, les sapeurs-pompiers sont arrivés. Allez, ils sont à vos ordres. T'as pas entendu, ils vont donner l'attaque. Monsieur, oui. Je sais qui vous êtes, mais vous, vous ne me connaissez pas. Mais si. Alors, si quelque chose devait m'arriver, je veux que vous sachiez... Non, rassure-toi, je sais... Attendez. On est juste en plein milieu dans la rade de tir. Bon, merci. Fauchelevent, ton vieux frère! Je savais bien qu'on se retrouverait! Ah, Fauchelevent! Non, Jean-Lras! Non, pas sur lui, pas lui! Oh. Ah. Fauchelevent! Fauchelevent!
pas si tu m'entends, mais il y a une chose que je tiens à te dire. C'est que si je m'échine à essayer de te sauver la vie, hein, c'est pas pour toi. C'est seulement parce que si je le fais pas, je pourrai jamais plus regarder Cosette au fond des yeux. Tu m'entends, Pontmercy ? Jamais. Un ami avec un couteau. C'est un dit. Ils sont déjà mis en liberté. T'es bien placé pour savoir que la liberté, les gens comme nous n'attendent pas qu'on la leur rende. Mais s'évader, ça coûte cher. J'ai des grosses dettes. C'est pour ça que je te propose une affaire. Je comprends pas. Bah, c'est pourtant simple, tu veux sortir, pas vrai? Seulement pour ça, faut ouvrir la serrure. T'as pas la clé, moi je l'ai. Alors je te répète ma proposition, pars à deux. Je te donne la clé et tu me donnes l'argent. Quel argent? Ne me prends pas pour plus bête que je ne suis. T'as tué cet homme. C'est ton affaire. Mais tu l'as sûrement pas suriné sans avoir été regarder ce qu'il avait dans les poches. Qu'est-ce qui te fait croire que ta combine pourrait m'intéresser? Malgré tous tes grands airs, t'as jamais vraiment changé. T'es né misérable, tu finiras misérable. Pareil pour moi. Sauf que moi, ça fait longtemps que j'ai compris que ça servait à rien de se débattre. Non, tout ça pour dire qu'on est entre gens du même monde. Et que c'est normal qu'on fasse des petites affaires entre nous. N'en cherche pas de voler, tu sais. Avec moi, t'en auras pour ton argent et même un peu plus. Alors, la clé et la corde. C'est-il pas honnête, ça? Mais la corde, pourquoi? Ben, dame, pour balancer ton macabé dans la rivière. Si tu lui attaches pas une pierre à la patte, il va flotter. Qu'est-ce que tu fais dans les égouts? Ben, la même chose que toi, je me cache. Et quand il fait noir, je m'en vais prendre un peu l'air. On pourrait se retrouver un de ces soirs, tous les deux. Si je connais de bons coups à faire, puis comme tu m'as l'air de savoir travailler... Dépêcher de conclure parce que moi je tiens pas à moisir trop longtemps par ici. Et pourquoi? On dirait que t'as encore tout à apprendre, hein? Parce que les cognes connaissent le coin. Ils étaient deux l'autre jour. Dans une barque à fureter là derrière. Bon, allez, moi je t'ai montré ma clé, maintenant tu me montres l'argent, hein? Et combien sur lui? Ton client? Tu l'as tué pour pas cher, hein? C'est tous les mêmes, vous les bagnards. Vous tueriez un chien pour ses puces. Des fois, je me demande si vous faites pas ça pour le plaisir. Ou alors, c'est que t'essayes de m'entourlouper? Ça serait pas joli, joli de la part d'un futur associé. Portez mon cadavre chez mon grand-père, monsieur Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire. Son cadavre? Il disait dans l'avenir, le bougre. Bon, allez, ça va, t'es régulier. Ça n'empêche que c'est de l'assassinat à trop bon marché, ça.
Je peux pas te laisser grand-chose parce que sinon je me serais déplacé pour rien. Allez, au plaisir, hein. Tu reviens quand tu veux. Je serai toujours là pour toi. Des égouts, n'est-ce pas? Inutile de répondre. La puanteur que tu dégages parle pour toi. Comment m'avez-vous retrouvé? Je t'ai suivi. C'est impossible. Vous étiez pas... Dans les égouts, non. Je t'ai suivi en surface. Il était fatal que tu aboutisses au fleuve. Javert, je vous jure de vous suivre. Mais d'abord... Rien du tout. Tu n'es pas en mesure de marchander. Donnez-moi une heure. Une petite heure. Non. C'est pas pour moi. C'est pour lui. Il est mort. Pas encore. Il ne vaut guère mieux. Qu'est-ce qu'il est donc pour toi, ce jeune homme? Mon remplaçant. Si je vous suis, c'est pour m'emmener au bagne. Ce sera pour longtemps, n'est-ce pas? Pour toujours. Alors, il n'y aura que lui pour veiller sur Cosette. Donnez-moi une heure. Je dois la ramener à sa famille. Une heure. Cocher! Gilles Normand, c'est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? On lui ramène son petit-fils. Monsieur n'a plus de petit-fils. Bon. Portez mon cadavre chez mon grand-père, monsieur Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire. Ah, si c'est son cadavre que vous ramenez, alors c'est différent. Monsieur sera satisfait. Il est mort. Ah, il s'est fait tuer sur la barricade. Et bien sûr pour m'humilier. Par haine de son grand-père. Je le vois d'ici. Qu'espèce de vieille ganache de royaliste. Hein? Voilà la petite farce que je te prépare. Tu es ces infâmes républicains. Eh bien, c'est au milieu d'eux que je vais mourir. Et c'est en brandissant le drapeau rouge que ton petit-fils va tomber. Ah, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? C'est que vous avez l'air très en colère et votre message... En colère, moi? Moi, je suis en colère? Foutaise! Tu as devant toi l'homme le plus calme du monde. D'ailleurs, m'as-tu jamais vu me mettre en colère? Le jour où vous avez dit à ce pauvre monsieur Marius... D'aller se faire foutre, oui! Je lui ai dit d'aller se faire foutre! Il l'avait bien cherché, il n'avait qu'à pas me provoquer. Il n'avait pas à dire mort au tyran, abat le roi! Alors, je me suis un peu énervé. Un peu énervé? Vous l'avez flanqué dehors. Avec défense de jamais remettre les pieds ici. C'était pas une raison pour aller se faire massacrer sur les barricades. J'ai pas voulu ça, Laurent. Lui non plus, monsieur.
Il était si joyeux, il aimait tant la vie. Où l'ont-il mis? Au salon. Dans le salon? Comme s'il était invité comme un étranger? Pourquoi pas dans sa chambre? Mais vous l'avez fermé à clé, monsieur. Avec interdiction de jamais l'ouvrir. Sous aucun prétexte. Monsieur. Je ne le voyais pas vivre au milieu de tout ça, je le croyais pauvre. Moi aussi. C'est curieux comment on peut se tromper sur les gens. Monsieur Gillenormand, je suis... Non, monsieur, je ne veux pas savoir qui vous êtes. Je ne veux pas connaître le nom de celui qui me ramène mon petit-fils mort. Quel qu'il soit, le nom que vous portez est maudit. Bien la peine d'être aussi jeune pour finir comme ça. Ce n'est pas grave, je vais mourir moi aussi. De voir ça, ça va me tuer. Du moins, je l'espère. À quoi ça sert de lui faire respirer ton ammoniaque? Tu crois que ça va le ressusciter? C'est bon pour les fillettes qui se trouvent mal à cause de leur corset trop serré. Ça ne marche pas sur les morts, l'ammoniaque. Monsieur... Monsieur Marius... Quoi, monsieur Marius? Monsieur Marius est mort, fils stupide! Je le vois bien, moi, qui suis aussi mort que lui. On se reconnaît entre fantômes. Et ce sang, mon Dieu, tout ce sang. Ah, il n'a pas fait les choses à moitié. S'il est mort dans vos bras, ça veut dire que vous êtes de ces gredins. Alors, messieurs les républicains, regardez où conduisent vos délires, vos utopies, vos oracles, vos gueux de philosophes, vos gardements d'écrivains, sans parler de vos foutues révolutions qui, depuis un demi-siècle, noient ce pays sous un flot de sang. Sortez! Sortez de chez moi! Assassin! Marius! Tu es à moi maintenant. Il suffit, ne me demandez plus rien. Si je... J'ai besoin de dire au revoir à Cosette. Non. Oui. Oui? Si vous faites vite. Javert, vous m'avez dit vous. Je vous attends ici. J'ai eu si peur. Qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi cette boue? Et ce sang? Moi, ça va, c'est Marius. Marius? Oui. Vous n'avez pas fait ça? Non, il a été touché par un éclat d'obus, mais rassure-toi, c'était pas grave. Comment le savez-vous? J'ai vu qu'on s'occupait de lui, tiens. Tu iras à cette adresse, rue des Filles du Calvaire, c'est là qu'ils l'ont transporté. Vous n'êtes donc plus fâché contre lui? Vous permettez qu'il me voie? J'ai pas eu le temps de beaucoup parler avec Marius, mais... le peu que je sais de lui... Vous l'aimez? J'étais certaine que vous l'aimeriez. C'est à vous deux de vous aimer. Moi, je suis rien là-dedans. J'ai confiance en lui, en sa famille aussi. Je ne manquerai de rien chez ces gens-là. Tout ce qu'ils ont, j'aurais peut-être pu te l'apporter un jour. Mais ce qu'ils sont, ça, je ne le pourrais pas. Il va certainement te demander en mariage. Accepte. Vous êtes un père merveilleux. Et ce sera à vous de dire oui, puisque c'est à vous qu'il demandera ma main. Non, Cosette, je serai loin. Très loin. Je vais partir seule et... Et? Je ne reviendrai plus. Je ne comprends pas. Le seul endroit dont on ne revient jamais, c'est... La mort? Non, Cosette. Rassure-toi. Je vais vivre. Je vais devoir vivre. C'est pas que cette idée me plaise tellement, mais là où je vais, on ne choisit pas. Un jour... un homme m'a fait cadeau de 2 chandeliers et 1 d'argent. Sur l'instant, j'avoue que j'ai surtout été sensible à leur valeur. Je n'étais pas bien riche, alors. J'étais même la plus affreuse des misères. Mais je ne les ai pas vendus, et j'ai bien fait. Car ces chandeliers m'ont éclairé. Ils ont illuminé ma route. Et d'une certaine façon, ils continuent de me montrer le chemin. Mais... aussi lumineux soit-il, ils ne sont rien à côté du soleil dont tu m'as ébloui. Grâce à toi, même à l'ombre, je continuerai d'être un homme ébloui. Je t'aime, Cosette. M'enfermer. Toussaint t'ouvrira. Martin, c'est qui? C'est moi. Je vois que tu as déjà été condamné pour activité subversive et interdit de séjour à Paris. Pourquoi es-tu revenu? C'est ma femme, elle vient d'accoucher à l'Hôtel Dieu. Je voulais voir notre bébé, c'est tout. C'était à ta femme de t'amener le gosse. Et comment qu'elle aurait fait? On lui a coupé les jambes. Pourquoi? Elle travaillait à Pantin dans un moulin. Elle s'est fait prendre par la meule, elle avait 14 ans. Qu'il s'en aille. Et monsieur l'inspecteur, il vous raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il voudrait faire un gosse à une femme sans jambes? Lui l'a fait. Qu'il s'en aille, c'est un ordre. Et donnez-moi de quoi écrire. Vous dire, il n'a plus de jambes, c'est vrai. Vous verriez son sourire.
pour ça que je l'ai marié. Je ne vous ai rien demandé. Mais c'est parce que je sens bien que vous n'êtes pas comme eux. Vous, avant de juger les gens, vous essayez de les comprendre. Foutez-moi la paix. À remettre à son excellence le préfet de police. Avant de vous quitter, encore une question. Croyez-vous possible qu'un ancien bandit, sur qui pèsent les plus sévères condamnations, puisse se redresser ? Et qu'un policier qui a consacré toute sa vie à une justice qu'il pensait infaillible se voit un jour pris entre deux crimes. Le crime de laisser s'échapper un bandit et le crime de l'arrêter. Ce sera tout, messieurs, mais réfléchissez bien. À la bonne heure. L'appétit te revient. Je n'en dirai pas tant de cette fichue mémoire. Impossible de me rappeler ce qui m'est arrivé. Vous croyez que ma blessure... Je crois surtout qu'il était inutile de risquer ta vie pour une révolution dont tu ne te souviens même plus. Il y a une chose que j'ai pas oubliée. Je veux me marier. Tu pourrais au moins me demander mon opinion. Vous ne pouvez pas en avoir une. Vous ne connaissez pas la jeune fille que j'aime. Oh, si, je connais. Carrure très impressionnante. Beaux cheveux gris. C'est vous qui avez reçu un coup sur la tête. Sache, mon garçon, que ta fiancée est venue tous les jours prendre de tes nouvelles. Pas en personne, naturellement. Cette jeune personne a le respect des convenances. C'est son père qui s'est déplacé. Mais... aujourd'hui, pour rater ta guérison, j'ai pensé que le meilleur des remèdes était... Mademoiselle Fauchelevent. Adorable. Quelle est jolie, mon Dieu, qu'elle est jolie. C'est un chef-d'œuvre que cette petite. Elle ne sera que baronne, c'est dommage, j'aurais bien vu marquise, moi. Ou duchesse, tenez, pourquoi pas. Hein? Eh bien, ma chère enfant, qu'attendez-vous? Vous ne l'embrassez pas? Si elle s'appelle Fauchelevent, et vous Favre, cela signifie... Je ne suis pas son père, ni même son grand-père, ni même son oncle. Ce qui n'empêche que je l'ai élevée. Cosette est orpheline et je suis son tuteur.
Orpheline, mais d'une famille honorable. Sa mère était ouvrière. Et son père jardinier. Diable. En somme, elle nous vient du peuple, cet enfant. C'est un obstacle. Ses parents sont morts, dites-vous. C'est donc avec vous que notre famille va faire alliance. Vous n'êtes ni ouvrier ni jardinier, enfin, je l'espère. Ancien officier, peut-être. À en croire votre stature. Non plus. J'ai vécu longtemps entouré d'uniformes, mais je n'ai moi-même jamais porté les armes. Vous avez des mains fortes, écharpentées, un regard qui porte loin, un regard de marin, hein? Je parie que vous avez commandé des navires. Vous avez fait la route des Indes, hein? Le commerce des épices. J'ai résidé à Toulon, j'ai vu bien des bateaux, mais je ne suis jamais monté à leur bord. Alors, décidément, vous êtes une énigme. Tout homme est un mystère, cher monsieur. Tenez. J'ai connu un homme que je croyais inflexible, taillé dans les reins, quelqu'un qui me faisait presque peur tant il semblait inébranlable. Or, j'ai appris tout récemment que... qu'on l'avait retrouvé noyé entre le pont Neuf et le pont Change. Son cadavre coincé sous un bateau lavoir. Il s'était donné la mort. Jamais je n'aurais cru ça de lui, non. Jamais. À entendre la façon dont vous en parlez, je devine qu'il devait vous être très proche. Nous nous connaissions depuis tant d'années. Enfin, lui croyait me connaître, parce qu'en réalité, j'ai peur qu'il ne soit mort sans avoir su qui j'étais, vraiment. Justement. Qui êtes-vous ? Ceci vous intéressera davantage. $600,000. $600,000 ? La dot de Cosette Fauchelevent. $600,000 ? Plus d'un demi-million pour la fille d'un quoi déjà ? Un jardinier. Savez-vous que j'aime les jardiniers ? Qu'à leur façon, ces gens-là sont une forme d'aristocratie, que c'est le métier le plus admirable du monde. Tenez, Louis XIV, et bientôt roi soleil qu'il était, il adorait ses jardins de Versailles. Il avait pour ses bosquets, ses massifs, ses charmilles, la tendresse que j'ai pour mon Marius, l'affection que vous portez à votre Cosette. C'est dit, nous les marions. Dans 2 mois, ça vous irait? Si vite. N'êtes-vous pas pressé de voir votre Cosette heureuse? Si. Si, bien sûr. Dis donc, tu vois ce vieux? Quel vieux? Et là-bas, derrière les mariés. Celui de gauche. Ah, mordieu, je suis sûr que c'est lui. Ce cher bon monsieur Favre. Ou plutôt cette crapule de Jean Valjean. Et la mariée qui se pavane au bras du baron. C'est la Cosette.
l'a bien roulé dans la farine. Pas à dire que je pensais qu'il était passé de notre bord, mais puis c'est pas un homme, ça. C'est un papillon de nuit, ça ne peut pas s'empêcher d'aller tournicoter dans les lumières du beau monde. Laisse donc, Thénardier. La Cosette et lui, ils nous ont jamais apporté que des ennuis. Ben justement, ma colombe. On va lui présenter la facture, tiens. Toi qui est devenu si mec que devient presque invisible, tâche donc de te glisser dans la noce. Je veux savoir où crèche cette canaille. Est-ce que vous restez tout seul? Je te regarde. De loin. Ben, il faut bien que je m'habitue. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Cela, j'ai hésité à les faire venir. Vous les aimez tellement, vos chandeliers, que... J'en suis presque jalouse. Ils ne font que transporter la lumière. Toi, tu es ma lumière. Mais je ne comprends pas. C'est simple. C'est votre chambre. Vous êtes chez vous. Pour que ce soit une vraie surprise, j'ai fait faire le déménagement pendant la cérémonie. Maintenant, vous êtes obligé d'habiter ici. De toute façon, sans vous, je ne pourrais jamais être heureuse. Madame la baronne. Madame la baronne? Tu entends? C'est toi qu'ils appellent, Cosette. Madame la baronne, c'est toi. J'avais oublié. Comme tu es jolie. Si ta mère te voyait, je sais ce qu'elle dirait. Elle dirait quoi? Elle dirait... Merci, monsieur Madeleine. Monsieur Madeleine? Oui. Oui, c'est comme ça qu'elle appelait le bon Dieu. À savoir pourquoi. J'y vais. De faim. Tout est prêt pour le grand souper? Oui, monsieur. Vous ferez servir dès que j'aurai retrouvé monsieur Favre.
Du diable, si je sais où il est passé. Il est parti, monsieur. Parti? Comment ça parti? Où ça parti? Il m'a prié de dire à monsieur qu'il ne se sentait pas très bien. La fatigue. Quoi? La fatigue? Lui? S'il est fatigué, il a sa chambre pour se reposer. Alors pourquoi partir? Et puis alors, où ça partir? Ça. Adieu. Cosette est heureuse, Javert mort. Dommage, t'as emporté l'argent du coffre. Javert avait raison. On est tous pourris. On changera jamais, en tout cas pas moi. Tout ça. Comme je suis content de voir monsieur. Est-ce que monsieur va mieux? Je vais parfaitement bien, merci. Votre maître est-il le levé? Lequel, monsieur l'ancien ou le nouveau? Monsieur le baron Pommerci. Ah, non, celui-là dort encore. Une dame après sa nuit de noces. Réveillez-le. Mais monsieur... Tout de suite. Je vais le voir au salon. Je vais le voir seul. Vous nous avez manqué. Cosette avait tellement envie que vous la fassiez danser. Je ne sais pas danser. Mais ça, ce n'est pas un crime. N'employez pas le mot crime pour une chose aussi futile. Vous voici donc parfaitement heureux. Ma foi, enfin presque parfaitement. Presque. Vous allez me trouver bien exigeant, mais mon bonheur ne sera complet que le jour où je saurai qui m'a sauvé la vie, en m'emportant à travers les égouts. C'est la police qui vous a sauvé. Un policier du nom de Javert. Javert? D'après ce qu'on m'en a raconté, il était pour beaucoup dans la mort de mes camarades. Pourquoi m'aurait-il sauvé, moi? Vous savez, on a vite fait de se tromper sur les gens. Tenez, par exemple, vous croyez me connaître? Et cependant, je suis venu vous dire que je suis un ancien forçat. Et pourquoi vous riez? Vous ne me croyez pas? Grand Dieu, non. J'ai passé 19 ans au bagne, pour vol, tentative d'évasion. Récidive d'évasion, plusieurs récidives. Vous pouvez consulter les archives de la Sûreté. Mon nom n'est pas Fabre, mais Valjean. Jean Valjean. Bon, et alors? Mais vous a-t-on laissé le choix? Est-ce que ça n'est pas la société dans laquelle nous vivons qui vous a obligé à mentir? Vous êtes trop généreux, Marius. Vous devez être ferme, impitoyable même. Comprenez que j'ai mal agi envers vous. En signant votre acte de mariage, j'ai commis un faux en écriture. Si cela se sait, votre mariage sera annulé. Cosette, elle ne s'appelle pas Fauchelevent? Non. Tout est mensonge, Marius. Tout. Sauf que Cosette vous aime.
En fait, je ne sais même pas comment elle s'appelle. C'est une enfant que j'ai... trouvée. Achetée. 1500 francs. Achetée? Comme un animal? Elle était traitée pire qu'une bête. Bien sûr, je ne lui ai rien dit. Ni rien sur moi, évidemment. Elle n'en saura jamais rien. Je vous le jure. Mais pourquoi ces aveux? Pourquoi me révéler votre secret puisque personne ne se doute de rien? Justement. C'est parce que... c'est trop lourd à porter. Vous n'avez pas idée comme c'est terrible d'être seul à savoir qui je suis. Valjean. Jean. Ancien forçat. Matricule 9430. Je n'en peux plus. Javert savait, lui. Et maintenant, Javert est mort. Alors vous me choisissez comme confident? Mais pourquoi, moi? C'est aussi que je dois sortir de la vie de Cosette. C'est qu'elle va être belle, sa vie à présent, lumineuse et tout. Alors moi, si je reste, j'ai peur de la lui abîmer avec toute cette saleté que je trimballe, vous comprenez? Mais tout seul, j'aurai pas la force de partir. Alors je viens vous demander de m'aider. Je ne veux pas vous faire souffrir. Je l'aime. J'aime Cosette. Oui. Comme un père. Non. J'aime Cosette. Je crois qu'il vaut mieux que vous sortiez. Ah, c'est vous? Oui, je passais dans le quartier. Alors j'ai pensé... Je vais voir si monsieur le baron peut vous recevoir. Monsieur et madame, ça fait bien longtemps que... Attendez ici. Monsieur m'a dit de vous faire entrer ici, il y a du monde au salon. Je serai très bien. Très bien. Je la distrais. Je l'étourdis de cadeaux de soirée. De soirée? J'espère que vous n'allez pas en faire une de ces petites femmes frivoles. Une de ces coquettes qui... Mais pardon, ça ne me regarde plus. Et vous, comment vous portez-vous? Bien. Je vais très bien. Comme tout le monde, je trouve que cet hiver est trop long. Enfin,
De toute façon, hiver ou pas, c'est le temps que je trouve long. Cosette m'a dit qu'elle était passée replumée. Rassurez-vous, elle n'est pas entrée. D'ailleurs, je n'ouvre plus les volets du côté de la rue, comme ça on peut croire que la maison est vide. D'ailleurs, d'une certaine façon, pour moi, elle est vide. Vous lui avez dit quoi pour justifier mon absence? J'ai repris la fable que vous lui aviez déjà servie. Des affaires qui vous ont appelé à Londres. Et Cosette ne s'étonne pas trop que je ne lui écrive pas. Je lui ai dit que nous avions reçu de vos nouvelles, une lettre adressée à nous deux, comme il s'y est quand on écrit à une femme mariée. Elle a demandé à la lire, j'ai prétendu l'avoir égarée. Il faudra bien un jour que je rentre d'Angleterre. Vous repartirez. Vous n'avez plus d'attache, vous êtes libre. Libre? Jean Valjean libre? Vous avez de ces mots, Marius. Je ne puis m'attarder trop longtemps. Nous recevons quelques amis. Et le dîner va être servi. Il vaudrait mieux que vous ne reveniez pas. Pourquoi ne partiriez-vous pas vraiment, d'une façon définitive, je veux dire? Ça nous éviterait de mentir. À vous, comme à moi. Je n'ai plus l'argent. Je vous ai donné. Eh bien. Je n'y ai pas touché. Reprenez-le. Je ne peux pas. C'est la dot de Cosette. Je ne veux pas de cet argent. Parce qu'il vient de moi? Parce que je ne sais pas d'où il vient. Mettez-vous à ma place, un ancien forçat qui se retrouve à la tête de 600 000 francs. On peut se poser des questions. C'est de l'argent honnête. Vous ne me croyez pas? J'insiste pour que vous le repreniez. Une chose me ferait plaisir. C'est de récupérer mes deux chandeliers. Faites-les porter par Laura. Pas voulu te déranger. Tu étais avec nos amis. Me déranger? Moi, sa fille? Il était assez pressé, vois-tu. À peine rentré de Londres, le voilà déjà qui repart. Pour l'Égypte, cette fois. Ou si j'ai bien compris, il envisage de louer une felouque pour descendre le Nil jusqu'à la première cataracte. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il puisse nous écrire souvent. Le courrier dans ces pays. Que veux-tu? Il vieillit. En vieillissant, on devient tous un peu égoïste. Égoïste? Depuis notre mariage, il n'est pas venu une seule fois. Riche, tu crois qu'il m'évite? Il m'a chargé de te transmettre mille et mille choses. Et surtout, il m'a demandé de bien te dire qu'il t'aime. Et de ne pas t'inquiéter pour lui. Voyons, mon ange. Tu le connais bien. Toujours discret, toujours effacé. Quand je pense qu'il n'est même pas resté pour notre fête de mariage,
qu'il n'a pas passé une seule nuit dans cette jolie chambre que tu lui avais préparée. Mon cher Marius, ma chère Cosette, je suis arrivé au Caire après une traversée sans histoire. La ville est bruyante, animée, un peu sale. Mais aussi, il y a bien de la misère. Et un soleil merveilleux fait tout passer, vient à point pour réchauffer mes vieux os. Chandelier. Merci bien. Monsieur le baron m'a dit que vous deviez me donner une lettre. Une lettre qui viendrait d'Égypte. Vous direz à monsieur Pontmercy qu'il n'y avait aucune lettre, aucune nouvelle d'Égypte. Avez-vous quelqu'un qui puisse aller acheter les remèdes que je vous prescris? Ma fille. Elle habite ici? Enfin, docteur, vous savez bien que non. Comment le saurais-je? Je n'ai pas l'honneur de connaître mademoiselle votre fille. Madame, ma fille. Elle est mariée et un très beau mariage. Je suis un homme comblé. Et vous dites que vous ne la connaissez pas. Pourtant, j'ai... Il y a quelqu'un qui a pu vous envoyer. Moi, je n'ai jamais demandé de docteur. J'étais mandaté auprès de vous par monsieur Gilles Normand. Il a d'ailleurs tenu à régler d'avance mes honoraires, ce qui fait que vous ne devez rien. Alors, c'était pas Cosette qui s'est souciée de moi. L'essentiel est que j'ai pu vous examiner avant que... Avant qu'il ne soit trop tard, c'est ça. Allons, allons. Allez pas vous mettre ces idées en tête, on va vous sortir de là. Les conditions, vous gardez le moral. Le plus efficace des remèdes, mon cher monsieur, c'est l'envie de vivre. L'envie de vivre. Je l'ai eu si longtemps et si violemment, docteur, que j'ai peur de n'avoir épuisé les réserves. N'imaginez pas toutes les ressources d'un corps humain. Oh, le corps, il se battra. Il en a vu d'autres, c'est l'âme qui ne veut plus. Le corps qui tire d'un côté et l'âme de l'autre. C'est pas ça, la mort. Si. J'ai pu récupérer juste assez de toile pour te faire une cravate. Quand tu auras enfilé la redingote, on y verra que du feu. On dira ce qu'on voudra, mais un habit, ça vous pose tout de suite un bonhomme. Tu me fais presque autant d'effet que la première fois où je t'ai vu. Dans ton bel uniforme de sergent, j'en avais les frissons partout. Oublie le sergent, c'est d'un ambassadeur que je dois avoir l'air, hein? Oh, t'en as pas clair. Même que je te trouve si fringant comme ça que si on réussit notre coup, je t'achète un costume, un vrai cette fois. Avec tout ce qui va avec. Les gants, l'écharpe, la cravate. Et toi, je te mis prêt comme une bourgeoise. On ira se promener sur les boulevards en plein soleil. On n'a plus besoin de se cacher quand on est riche. Hein. C'est les pauvres qui ont peur.
Le docteur Barnett sort d'ici? Je l'ai prié de passer me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien? Je me porte comme un charme. Il est venu me faire son rapport à propos du père de ta femme. Le père de Cosette est loin, en voyage sur le Nil. Non, 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 mon garçon! Pas à moi. Ce n'est pas le Nil qu'il est en train de descendre, mais la dernière pente de sa vie. En lui rapportant ses chandeliers, Lorrain m'a dit l'avoir trouvé dans un état pitoyable. Il l'a à peine reconnu. Alors il m'a semblé qu'il était de mon devoir... Votre devoir? C'est vous qui dites ça? Sous prétexte qu'il ne partageait pas vos opinions politiques, vous avez laissé mourir mon père dans la solitude, presque dans la misère. Et vous volez au secours d'un homme qui... Vous ne savez même pas qui il est vraiment. Je sais qu'il est un vieil homme, et que j'en suis un moi aussi. Il y a autre chose que je devrais savoir? Oui. Non. Eh bien, soit. Faites ce que vous croyez devoir faire. Mais que Cosette n'en sache rien. Un certain monsieur Thénard demande à voir monsieur le baron. À cette heure-ci, il va être minuit. Quel genre d'homme est-il? Il dit qu'il est un ancien ambassadeur. Un ambassadeur? Qu'il entre, voyons, qu'il entre. Comme vous voyez, je suis un ancien ambassadeur. Ça crève les yeux. Mais je me préparais à monter me coucher. Alors soyez bref, que voulez-vous? Mes anciennes fonctions m'ont flanqué la nostalgie des pays lointains. Enfin, en un mot comme en mille, je veux me tirer d'ici. Mais les voyages, ça coûte. Non, non, mais je vous demande pas la charité, rassurez-vous. Hein. J'ai une affaire à vous proposer. Voulez-vous m'acheter un secret? Dites toujours. Monsieur le baron, vous avez chez vous un filou de la pire espèce. Il a abusé de votre confiance et il s'est introduit dans votre famille sous un faux nom. Il s'appelle Jean Valjean. Je sais. Et c'est un ancien forçat. Je sais ça aussi. Forcément, tiens, puisque je viens de vous le dire. Je le sais depuis longtemps. Alors, c'est tout? Non, ça c'était juste pour vous mettre en appétit. Non, le plus beau reste à venir, une histoire d'assassinat. Elle est à vous pour 20 000 francs, avec tous les détails, et je vous les garantis bien croustillants. Non. Non. Bon, oui. Bon, d'accord, 20 000 c'est beaucoup, alors mettons 10 000. Pas un liard, Thénardier. Par quel nom vous m'avez appelé? Ou tu préfères Jondrette? Non, monsieur le baron se trompe. Francs. Si monsieur le baron devient sérieux, alors moi aussi. Hein. Remarquez, de toute façon, même sans les 500 francs, je vous l'aurais dégoisé toute l'histoire au nom de la justice, comprenez-vous? Cet argent, c'est pour que tu partes. Ton histoire, je la connais très bien. Il y a quelque chose comme 40 ans, Valjean a volé un pain. Mais pour cela, il a payé. Très cher. Plus cher que tu ne paieras jamais pour tes propres crimes. Sauf que votre Valjean n'a pas simplement piqué du pain. C'est un meurtrier. Tu perds ton temps, Thénardier. Je sais tout de lui, je te le répète. N'essaie pas de le salir davantage, il a gagné son droit à l'oubli. Monsieur le baron, en juin de l'an dernier, le jour de l'émeute, j'étais dans les égouts. Pourquoi j'étais dans les égouts, c'est mon affaire. Pas toujours est-il que ce jour-là, dans le grand collecteur qui débouche dans la Seine, j'ai rencontré Valjean avec un cadavre sur les épaules. Ouais, il avait sûrement dans l'idée de s'en débarrasser dans la rivière. Et le cadavre était celui d'un homme assassiné de frais. Parce que le sang qui coulait de sa blessure était bien liquide et bien chaud. Et de ce que j'ai vu, Valjean lui avait fracassé la tête.
connaît. Et puis à sa conviction, j'ai trouvé ça sur le cadavre. Un cadavre, hein? Oui. Et tu as vu son visage à ce cadavre? Non, pas bien, non. Non, il avait le museau tout barbouillé de sang et il faisait sombre à l'intérieur. Mais la figure de l'assassin, ça, je l'ai vue. Et c'est ce qui est important, pas vrai? Thénardier, même si tu ne sortais pas des égouts, tu répandrais une puanteur infecte, celle de l'infamie. Tu venais accuser un homme, tu l'as justifié. Mieux, tu l'as glorifié. Tu l'as rendu aussi pur que tu es vil, aussi magnifique que tu es hideux. Tu ne me fais pas peur. J'en sais assez sur toi pour t'envoyer au bagne pour le restant de tes jours. Non, faut pas vous donner cette peine, mon petit baron. Parce qu'ils m'ont déjà condamné à être raccourci. C'est moi pour ça, faudrait qu'ils m'attrapent. Voilà. Voilà qui font 10 000. Ah, merci. Merci, vous êtes bon, vous. Remercie Waterloo. Waterloo? Waterloo. Où tu as sauvé la vie d'un colonel. Tu as oublié? Lui, apparemment, il s'en souvient. Du haut du ciel, il veille sur toi. Il veut que tu sois épargné. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est le secret des morts, qui doit être aussi le secret de Dieu. Tu ne seras pas guillotiné, Thénardier. Demain, tu t'embarqueras pour l'Amérique. Avec ta mégère et cette pauvre fille qui te reste, je te donnerai encore 20 000 francs quand tu monteras à bord. Et maintenant, dehors! Monsieur veut-il que j'appelle les policiers? Il me faut un fiacre. Vite! Vite! Cosette! Cosette, allez, debout, lève-toi. Vite, vite. Marius, quelle heure est-il? Je n'ai qu'une peur, c'est qu'il soit trop tard. Viens, pas le temps de t'habiller, viens comme ça. Rue Plumet. Rue Plumet? Ça veut dire que père est revenu. Il n'est jamais parti. J'ai tout inventé. Inventé? Tu as menti? Tu m'as menti, mon amour? Ne m'appelle pas mon amour. Appelle-moi monstre, infâme, misérable. Je n'ai qu'une excuse. Je t'aime. Et quand il m'a avoué que lui aussi il t'aimait, j'ai eu peur. Je comprends pas du tout ce que tu essayes de dire. La seule chose que je vois, c'est que t'as douté de mon père. J'ai fait bien plus que douter. Mais je ne me cherche pas d'excuses, mais si tu avais été à ma place, peut-être que toi aussi... Non, Marius, moi jamais. Tu crois que je me suis jamais posé de questions? Que je me suis jamais demandé quel genre de vie il avait eu avant moi? D'où il venait? De quelle espèce de nuit il avait brusquement surgi? Non, ne dis rien, c'est inutile. J'ai imaginé le pire. Mais tu sais... Même le pire ne m'a jamais empêché d'avoir confiance en lui et de l'aimer. Fiacre, c'est celui du docteur qui soigne grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire? Que grand-père vaut mieux que moi. Eh bien? Vous arrivez bien tard. Mais vous allez faire quelque chose, n'est-ce pas? Vous pouvez certainement faire quelque chose. Il y a des remèdes. Le seul remède qu'il lui fallait, c'est elle. Docteur, vous avez oublié quelque chose? Ça tombe bien.
J'ai besoin que vous me rendiez un dernier service. Vous voyez ces deux chandeliers, là ? Dites, vous voulez bien les allumer avant de partir ? Non. Vous aviez raison, docteur. Voilà la mort. Elle est là. Je n'imaginais pas. Cosette. Cosette, c'est toi. Oh, ma Cosette, il faut pas pleurer. Oh, c'est une telle joie, si tu savais. Je croyais que j'allais m'en aller sans t'avoir revu. Et tu es là. Non, Cosette, pleure pas. Mon père. Marius est là aussi. Marius. Marius est là. Et alors, monsieur Pommerci, si vous êtes là, c'est que vous m'avez pardonné. Vous pardonnez ? Ah oui, je sais. C'est difficile, le pardon. J'ai passé ma vie à essayer. Je reconnais que j'ai parfois trébuché. C'est à vous de me pardonner, pas à moi. Moi, j'ai la part la plus facile. Tiens, merci. Merci. Et pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Allons, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais sais-tu qu'il est très beau, ton mari, Cosette? Et toi, comme tu es jolie. Mais comment tu es habillée? Je suis en chemise de nuit, c'est pour ça. Chemise de nuit? Alors tu as traversé tout Paris. Juste avec une chemise de nuit sur les épaules. Vous avez bien traversé les enfers avec moi sur vos épaules. Ça, mon garçon. Tu pesais un peu plus lourd qu'une petite chemise de nuit. Ah, voilà, vous me faites parler de cette affaire. Alors que justement, je ne voulais pas. Parce que c'est aussi de mourir. Mourir ? Oui. Mais ce n'est rien. Je ne veux pas que vous mouriez. Je vous le défends, je vous l'interdis, vous m'entendez? C'est ça, oui, défends-moi de mourir. Qui sait? Je t'obéirai, peut-être. Enfin, pendant un moment. Parce qu'après, il faudra bien que je me décide à obéir à l'autre. À Dieu, je veux dire. Allons, c'est sans doute mieux ainsi. Je suis qu'un misérable, il ne faut pas oublier ça. Moi, en tout cas, je n'oublie pas. Ma mort sera un apaisement pour tout le monde. Père, mais qu'est-ce que vous dites? Mario, je t'en supplie, tu vois bien qu'il va pas bien, là. Il va pas bien du tout, fais quelque chose, je t'en prie. Tu entends ça, Marius? Comme elle a confiance en toi. C'est la preuve qu'elle t'aime. Ah, mes enfants. C'est beau. C'est beau que vous vous aimiez comme ça. Cosette, regarde. Comme il nous sourit. Il est beau, hein? N'est-ce pas qu'il est beau, Marius, mon père? Oui. Ma petite coquine. Tu m'avais jamais dit ça. Oh, mes enfants. Ne croyez pas que je ferme les yeux pour ne plus vous voir, mais c'est les chandeliers. Ils m'éblouissent. Ils sont un peu magiques, je crois. Vous y mettez de banales chandelles. Vous imitez de banales chandelles de suif et vous en font des sons.
vois de la lumière.